monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, Elena, le retour. Alors, ça fait déjà presque 3 semaines que je fais pas grand chose en scrap. Hein. Je vous fais surtout des vidéos, des hauls, des courriers, etc. Et pas tellement de création. Ce matin, je me suis levée en train de me dire, il faut que ça reparte. Hein. Du coup, j'ai fait un petit peu le tour, je regardais, j'avais pas vraiment d'idée. Et du coup, j'ai fait quelque chose avant-hier, voilà, que je vais pas le montrer maintenant, voilà. Et j'ai ces deux chutes de papier là. En fait, ils étaient là sur mon bureau. Et en partant de là, je me suis dit, tiens. Ça fait sympa, hein, le mélange des deux couleurs, de ces deux chutes-là. Et du coup, je me suis dit, et si je partais, voilà, que avec ça, voilà, pour faire une petite carte. Voilà. Et voilà, j'ai ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Du coup, alors, je suis allée chercher une feuille du bloc aquarelle de chez Action. Alors là, j'étais en train de me poser comme question, vais-je faire une carte comme ça ou comme ça, en chevalet? Ça change pas grand-chose, en fait, mais j'avais envie de en chevalet. Je sais pas. J'arrive à rien que ça, voyez, déjà, voyez pourquoi souvent je n'aime pas faire trop, je n'aime pas, c'est pas que j'aime pas, mais que je me dis que ça doit pas être forcément intéressant pour vous de faire des tutos avec moi, parce que je réfléchis trop, je me pose trop de questions, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, voilà, je dis, je voudrais faire une carte, voilà, je sais pas ce que je vais mettre encore, mais je voudrais utiliser ça, voilà. Bah écoutez, ce que je vais faire, je vais la faire comme j'étais partie. Je vais la faire, la couper en chevalet. Voilà, il y en a pour 2 secondes. Je reviens. Voilà. Hop, je vérifie que c'est à peu près droit. Voilà. Donc, ça m'en fait 2. Hein. Alors, voilà. Je plie en 2. Et ma base de carte, elle est faite. Voilà. Hop. Ah. Voilà. Oh bah dis donc, je suis empotée ce matin. Il y a des jours comme ça. Voilà. Vous voyez, comme ça, ça me fait celle-là. Je vais garder, ça me fera une autre base de cartes ou si j'ai besoin pour des découpes. Donc voilà, du coup, j'ai ma base de cartes. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi le papier pour les nouveaux, hein, les débutants. Voilà, c'est le papier aquarelle de chez Action. Mais les anciens qui reviennent, donc c'est ceux qui n'ont pas l'espèce de tamponnage ici. Parce que ceux qui ont un tampon là, franchement, la qualité, elle est dégoûtante. Donc, voilà. Une fois que j'ai ça là, comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas trop. Hein, je vous dis, je pars vraiment... voilà. À moins que je fasse un petit truc comme ça, que je découpe après. Alors... J'avais envie de faire un collage, un petit truc un peu... Alors, du coup, j'étais chercher, quand même, avant la vidéo, je me suis dit, va quand même chercher 2-3 petits accessoires, des fois que tu n'as pas d'autres idées. Alors, du coup, je suis tombée, parce que la pochette, elle est là, sur les étagères, là, juste à côté de moi, en fait. Et il y a quelques temps... J'avais fait ces petits embellissements-là. Alors, je ne sais pas si je les ai fait en vidéo ou pas. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé la vidéo. Donc, pourtant, il me semblait que j'avais fait un petit tuto. Voilà. J'avais fait un petit tuto de ces petits paniers avec du fil et des épingles. Voilà, et la petite bobine de fil. Mais il y a longtemps.
Voilà, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas retrouvée. De toute façon, c'était au moins, je pense, il y a 2 ans. J'étais encore dans l'autre maison. Alors, du coup, je n'ai pas retrouvé. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, voilà. Et du coup, voilà, je me suis dit aussi que c'était peut-être mieux que j'essaye de trouver un ruban avant de commencer la vidéo. Et du coup, j'étais chercher dans les nouveaux, les derniers rubans que j'ai eu, que ce soit que j'ai acheté ou comment envoyer. Et donc, dans la boîte, il y avait celui-là. Et en fait, je trouvais que celui-là, il allait bien avec mon panier. Hein, parce que mon petit panier, il y avait ces... le motif, hein, je ne sais pas si vous voyez le motif, ça fait comme des petits carreaux. Et que ici, bah, ça fait, oups, ça fait pareil. Hein, voilà. Donc, je me suis dit, bah, voilà, alors il faudrait que j'essaie de faire quelque chose avec ça. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va voir. Hein. On va voir, je ne sais pas. J'ai envie d'utiliser ça. C'est fou quand même. Hein. Des fois, on a des choses comme ça un peu... un peu bébête, à moins que j'essaye de... Non, j'ai ça là, bon, je vais couper, hein. De toute façon, il n'y aura que comme ça. Alors, allez, je vais faire un A5. Pourquoi A5? Je ne sais pas. C'est, je vous dis, c'est vraiment au hasard. Est-ce que ça... J'ai l'impression que ça a bougé, ça, Elena. Ouais, si, ça a bougé. Alors, je vais remettre droit. En essayant cette fois. Voilà. Donc, voici déjà une découpe. Mais ça ne va pas encore. Bon, je vais faire des carrés de 5. Pourquoi? Je ne sais pas. Encore une fois. C'est les chutes, je voulais récupérer ces chutes-là parce que j'aime bien. Voilà, vraiment, je les trouve trop jolies. Alors, est-ce que si je mets quelque chose comme ça, oh si, j'aime bien. Mais là, il ne reste pas beaucoup de place, il reste combien? Oui, donc là, si je mets, il ne faut pas que... Parce que là, ça fait... Hop, j'ai dit que c'était 5. Et donc, voilà. Et donc, là, il reste... Parce que si je mets les deux comme ça, ça va faire... Ah, oh, si, si, ça va. Donc, est-ce que je peux couper 5 là? Bon, je vais faire pareil. Hein. Tant pis. Allez, hop. Voilà, 5. Et voilà, 5 et 5. Donc, si je mets comme ça et comme ça. Bon, un petit peu comme ça. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Voilà, je peux faire comme ça. Hein. Et là, je peux le mettre pareil, mais... Là, plus vers là. Je sais pas. Ce que vous en pensez, c'est vraiment pour dire que ouais, non, ça va pas du tout. J'aime pas du tout. Ça ne me plaît pas. Mais le contraire m'aurait étonné. Parce que voilà, je suis assez. À moins faire en damier. J'avais envie d'utiliser mes machins, là. Oh là là. J'avais envie de mélanger ces deux couleurs de papier. Voilà. Non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas, Elena. Vous voyez, j'ai découpé, mais ça ne me plaît pas, donc... Alors, si je mets comme ça, alors je suis sûre que vous êtes beaucoup en train de dire, mais oui, mais comme ça, mais oui, mais regarde, ça, ça fait bien, mais vas-y. Oui, mais moi, je vois pas et j'entends pas. Oh, c'est pas possible, ça. J'avais envie de
un monde de fer comme ça. De mettre un comme ça. Bah, écoutez, de toute façon, c'est pas grave. Hein. C'est un petit... Hop. Ah, y a de la colle. Je vais mettre du... double face, est-ce que c'est de la bonne taille? Avec la chance que j'ai, non, bien sûr. Mais heureusement que nous avons ici un autre qui est un peu plus fin, mais qui fera l'affaire. Alors, quoi que je fais ça, non, je vais faire directement là-dessus en fait. C'est aussi bien faire comme ça. Je couperai après, hop, parce que comme ça au moins je sais que c'est droit ce que je vois. Voilà. Donc là on coupe là au bord. Voilà. Là on coupe, pareil. Là, hop, on enlève. Et du coup, là, alors, je me demande, est-ce que je devrais... oui, je pense que je vais mettre quand même un tout petit peu de colle. Pas beaucoup, hein, c'est vraiment pour... parce que des fois, avec le double face, ça ne tient pas forcément aussi bien qu'on le voudrait. Alors, là, je vais mettre... là, oups, oups, au bord, ah, peut-être un petit peu de travers, voilà, alors, là, voilà, je remets là un petit peu de colle pour être sûr que... Et là, je coupe, hop, je range mon ruban. Donc, ce ruban-là, comme vous voyez, ça vient de chez Nose. Voilà. Voilà. Donc, voilà, déjà le début. Alors, maintenant, j'ai dit que je voulais mettre ça. Donc, je vais mettre ça. Allez, par contre, je vais prendre le double face. Voilà, je sais pas trop ce que tout ça va donner, mais je pars à l'aventure avec vous. Voilà, d'habitude ça je fais toute seule dans mon coin là, et je vous montre qu'une fois fini. Mais là je me suis dit que voilà, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo de création, donc je me suis dit que bah c'est pas grave si vous passez un petit moment avec moi, hein. De toute façon vous savez que vous pouvez faire avance rapide, hein. Moi il n'y a pas de souci vraiment. Alors par contre j'ai pas dit la tout compte fait la grandeur de cette chute. Après vous faites avec la grandeur que vous voulez, hein. Par contre voilà. J'aurais dû, c'est d'abord voir exactement où. Ah, j'ai bougé en même temps. C'est parti en biais légèrement. Ah. Bon, voilà.
celui-là. Alors, est-ce que je mets ça? Ou je mets ça? J'aime bien ça. Je voudrais mettre ça. Mon petit panier, là. C'est vrai que ça... Oh, ça, ma petite bande là, elle a bougé. Ah, voilà. Alors, à moins de... Oh, non, encore une bande, que des bandes. Non, j'étais partie au départ avec ça. Hein. C'était peut-être ce morceau-là. Comme ça. Non, parce qu'en fait, j'aurais peut-être dû me faire dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Alors, peut-être que celui-là, il est plus joli, parce qu'il y a plus de... Ouais, allez, hop, je vais mettre celle-là, c'est pas grave. Allez, je vais mettre celle-là. Alors, hop. Oh, j'utilise quand même beaucoup de double face. Parce que vraiment, la colle, je ne sais pas, mais où c'est moi la colle que j'ai, mais je trouve que ça a tendance à gondoler quand on met la colle, la dernière de... Enfin, la dernière. La colle de chez Action, là, la transparente. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que... Comment dire ça? Que ça fait gondoler le papier. Alors, du coup, je fais un maximum avec... j'essaie de mettre droit. Hop, ça va faire comme ça. Bon, il n'y a rien de foufou. Hein. Là, je vais mettre du double face et de la colle derrière. Parce que là, par contre, c'est sûr qu'il faut de la colle. Parce que c'est gros quand même. Voilà. Ah. Voilà ce que je suis en train de faire avec ces ciseaux là que j'aime pas du tout. Je suis en train de mettre de la colle. Voilà, donc maintenant je vais enlever les protections et je vais mettre de la colle parce que je veux que ça tienne et j'ai peur que juste avec les trucs ça tienne, juste avec le double face comme c'est épais, souvent ça je préfère faire avec de la colle chaude, mais comme j'ai pas branché le pistolet, bah tant pis, ça va être comme ça. Ou avec, j'aurais peut-être dû faire avec de la colle U. En gel. Voilà. Bon, bah écoutez, on va voir hein, si ça tient. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux mettre comme étiquette? Ah oui, j'ai fait des étiquettes. Hein, je vous dis, j'ai fait pas mal de choses parce que, regardez, j'ai découpé des choses. Voilà, des petites étiquettes, des petits trucs. Alors, je sais pas trop. Déjà, je vais vérifier ça, là, si ça peut faire joli ou pas. J'ai des petites bonnes femmes. Ouais, non, je vais pas mettre ça. C'est pas vilain, c'est pas que c'est vilain, mais... Non, j'étais partie une étiquette. Donc, je vais voir dans les étiquettes que j'ai là. Alors, non, pas voilà. Ces petits bonheurs qui rendent la vie si belle. Ça peut être pas mal. Après, j'ai celle-là en fait.
Bonheur, bonheur, bonheur. Bon, après. Mais ça, parce que c'est des loisirs, et les loisirs, souvent, ça rend heureux, quand même. Donc, je me dis que ça peut être pas mal. Alors, puis bon, après, c'est juste pour mettre un petit bonheur et joie du moment. Non. Voilà, j'ai plein de petites étiquettes comme ça que j'ai imprimées. Alors, il y en a que j'ai déjà découpé, d'autres pas. Mais. Ça y est. Voilà. Ouais. Réserve de bonheur. Bonheur d'être avec toi. C'est si simple, le bonheur. Signe de bonheur, ça va. Pétillant. Ouais, bah, je vais peut-être mettre juste celle-là. Hein. Ouais, je vais mettre celle-là, même si, je sais pas, vous allez peut-être dire, oh, mais ça n'a pas vraiment... J'ai des petits papillons que j'ai découpés aussi. Et ben, je vais les utiliser, mes petits papillons. Vous voyez, c'est dans ça, là, que j'ai imprimé en tout petit. Voilà, normalement, c'est une page comme ça, mais je l'ai... je les ai imprimés. Je vais y arriver. J'en ai imprimé 4 dans une seule page. Du coup, ça fait des trucs tout petits, comme là, les papillons, et que j'aime beaucoup. Ouais. Voilà. Bah, écoutez, voilà. Je vais mettre des petites choses comme ça. Bah, je suis contente pour mes papillons, tout compte fait. Je me suis embêtée à les découper parce que, comme vous voyez, ils sont vraiment tout petits. Et j'en ai d'autres encore hein, à découper. Hein. Je vais encore m'amuser. Mais, ouais, je vais faire ça comme ça. Par contre, ça, il y a un truc qui ne va pas parce que ce n'est pas droit ici. Alors, est-ce que je mets ça comme ça de toute façon ou est-ce que... Non. Non, j'ai presque envie de mettre ça tout seul comme ça. Hein, non. Par contre, je ne vais pas y toucher. Je vais ancrer un peu le bord comme ça. Juste un petit peu. Un petit peu. Je bafouille ce matin. Voilà. Là, alors. On va mettre en 2 morceaux comme ça. Que je prenne les ciseaux pour couper ça. Voilà. Et là, pareil, parce que je veux... Voilà. Hop, on enlève toujours la petite protection. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Alors, si j'ai peut-être que ceux-là, je peux peut-être quand même les mettre là-dessus. Alors, c'est difficile parce que c'est tellement petit. Alors, je vais ancrer un tout petit peu le bord parce qu'on voit les où j'ai découpé en fait. Comme c'est du papier épais, j'ai imprimé sur du papier aquarelle. Donc, et comme c'est tout petit, donc on voit vraiment, ça fait vraiment blanc là où j'ai découpé. Hein. Mais comme ça, ça ne le fait plus. Voilà. Hop. Là. Là. Là, moi je n'en ai pas d'autres, j'ai pas encore découpé les autres parce que peut-être que j'en aurais mis encore, mais bon, hop là, ceux-là ils sont encore plus petits, hop, mettre là, il y a les petites fleurs en haut, mettre là, hop, venez là les petits.
C'est fou comme rien que le fait d'ancrer un peu les bords, comment je trouve que ça change complètement l'aspect, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Donc, vous avez un qui est ancré. C'est tellement petit que vous voyez peut-être pas la différence. Vous voyez peut-être pas... hop, j'arrive pas... Vous voyez, celui de gauche, il est ancré. Celui de droite, il n'y est pas. Mais ouais, non, c'est tellement petit que vous, je pense que vous voyez pas trop la différence. Mais de près, on voit bien, bien la différence, en fait. Ça fait plus fini. Une fois qu'on s'est ancré, ça fait plus fini, plus propre, je trouve. Voilà. Donc, alors, ça, que je continue à découper plus tard. C'est beaucoup de choses comme ça que j'ai fait, en fait. Des petits découpages, des petites choses comme ça, là. Déjà, même hier, enfin, mercredi. Parce que c'est vrai, je vous dis ça, mais vous voyez peut-être pas de quand je veux parler, hein. Les enfants, ils sont partis mardi soir. Donc, voilà, j'ai fait des petites choses comme ça pour m'occuper hier. Mercredi. Jeudi, j'en ai fait un peu aussi. Alors, hop. Voilà. Et mettre sur le petit aussi là autour du petit panier. Voilà. Là, c'est la détente en fait, hein, les petits bonheurs aussi là comme ça. Que c'est vrai que quand vous faites des travaux manuels, que ce soit de la couture, de la broderie, des choses comme ça, pour beaucoup de personnes, c'est des vrais moments de détente. Hein. Voilà. Regardez. Et maintenant, je vais mettre quand même quelques petits... vous savez quoi, hein, des petits strass. Alors... Est-ce que je vais... Oh là, ça, je vais en avoir que des grands... Et je voudrais mettre des mini. Non, je vais mettre des mini. Ça va. Je vais pas mettre des gros. Des mini dans ceux-là. C'est pas les couleurs. Ah si, il y a ouais, du vert. Mais je voulais pas. Après, c'est dans les petits strass que mon beau-frère m'a donné. De sa maman. Et là, on a des petits comme ça. Je vois. Je vais essayer. Ouais, ce n'est pas les bons verres. Ça, c'est pas le bon verre. Elena. Quoi qu'il y a, des petits carrés. Ça peut être sympa aussi. On va essayer. D'accord. Ouais, ben ça commence bien. Ils veulent être que dans un sens. Ouais. Bon, puisque c'est pas. Ah, d'accord, ils sont tous bien mis. Hop, ouais, c'est pas mal ça, parce que c'est comme j'ai fait les découpes comme ça, ça peut être sympa. Ah. Oh là 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 là, il se retourne. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué. Pourquoi ça colle comme ça, mon... les enfants? J'ai prêté ça aux enfants. Et depuis, voilà, elle a appuyé ça, les enfants. C'est vrai que c'est pas toujours marrant pour ça. Parce qu'on a beau leur dire, je te le prête, mais vraiment, tu fais en douceur.
Ouais, c'est pas, ils comprennent pas toujours. Là, alors, si, en admettant que je laisse ces vertes là, je peux laisser les vertes. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Non, ça c'est du truc, mais c'est pas bon. C'est pas du tout ça en fait. Hein. À moins que je mette. Non, c'est pas du tout ça non plus. Ah, alors, attendez, je vais chercher dans les autres que j'ai, moi. Non, là, il n'y a pas du tout des jaunes. C'est fou ça. Alors, si là, je vais essayer avec cela là. Je voulais mettre quelques petites jaunes. Voyez, comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, pas trop. Celui-là, il est tellement petit que ça peut être sympa, là. Ouais, je vais faire comme ça. Déjà, j'ai déjà mettre ceux-là. Ouais, je vais mettre ceux-là. Alors, on va essayer de voir si tout ce petit monde se met bien là. Yes, voilà. Maintenant, cela, là, hop. Non, celle-là, elle ne va pas là. Elle ne va pas là. Parce que... Voilà. Un petit coup là, un petit coup là. Voilà. C'est des minuscules ceux-là. Ah, celle-là, c'est minuscule aussi. Voilà. Ah, elle n'est pas restée. Voilà. Et maintenant, alors, hop, non, c'est pas c'est tout ça qui est sorti. J'aurais voulu trouver les la même que là. Hop, celle-là. Voilà, un peu plus grande. Voilà. Moi, je crois que les autres, ça va être pareil. Hein. Hop, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon. Deux petites là. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, celle-là, elle est minuscule. Hein, et... Celle-là, elle est minuscule. Voilà. Minuscule. La minuscule. Quand je dis minuscule, elles sont vraiment toutes petites, toutes petites. Les remettre dans la boîte parce que elles sont tellement petites que une fois qu'elles vont, il n'y en a plus d'autres. Ah non, celle-là elle n'est pas collée. Voilà. Je me demandais si je mettais celle-là ou si je mettais une autre toute petite. Ah, toujours.
Non, je mets pas. Non. Je laisse comme ça. Je mets rien d'autre. Et voilà. Ma petite carte. Chevalet. Hop. Oh. J'arrête là. Hop. Gardez. J'aime bien l'ensemble des couleurs. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Les petits papillons, du coup, je n'ai pas mis de la colle partout. Hein. J'ai mis que soit au centre, enfin, soit dans le côté pour qu'on puisse faire un petit peu de volume avec leurs ailes. Voilà. Donc, hop, je vais faire comme ça. Là. Hop. Je vais zoomer dessus. Ouais, bah si, j'aime bien. Je trouve ça assez joli. Je sais pas vous, mais ouais. Voilà. Bah écoutez, bah voilà. Hein, j'espère que ma petite carte vous a plu. Voilà, je suis partie de vraiment de deux bouts de papier. Voilà, c'est le mélange de ces papiers-là qui m'ont inspiré, c'est tout. Et voilà. Ça va, j'ai quand même pas été trop longue. J'avais peur que ce soit beaucoup plus long. Mais bon, c'est quand même assez long, mais je trouve que ça valait le coup, parce que le résultat, pour moi, il est très joli. Voilà, sur ce, je vais vous abandonner. J'espère que ma petite création vous a plu. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous.